يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد aujourd'hui nous allons voir l'histoire d'un frère c'est un frère qui subhanallah s'est levé le matin avant salat al-fajr avec l'intention de faire salat al-fajr à la mosquée il a mangé d'une façon raisonnable il est parti à la mosquée il a prié Il est rentré chez lui, il s'est reposé un petit peu Puis il a passé toute sa journée en train de faire le siem Salat al à la mosquée à l'heure Salat al-asr, salat al-maghrib à la mosquée Il rentre chez lui, il mange Sauf que salat al-isha il ne l'a fait pas à la mosquée Et salat al-tarawih non plus La raison est simple C'est qu'il est parti dans un endroit qui s'appelle un salon à chicha. Subhanallah cette chose-là prend de plus en plus d'importance dans la communauté musulmane. Et nous avons des gens qui me font penser à une personne qui va faire une course de fond, qui va courir pendant toute la journée. Il a eu faim, il a eu soif, il s'est éloigné du Muharram, il a évité de dire des choses Muharramas, d'écouter des choses Muharramas. Mais subhanallah, au moment de concrétiser son adoration par une nuit pieuse, il tombe dans un piège du diable. Qui est le fait d'aller dans un endroit, perdre son temps Une pure, de temps. Une autre question se pose. La cigarette et la chicha sont-ils des choses qui sont autorisées en islam ou pas Ça, c'est une chose qui est importante. La réponse est très simple. Nous allons prendre une règle générale dans notre religion. Première des choses, ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à Allah azza wa Tu n'es qu'un dépositaire. C'est comme si demain je venais te voir et que je te dépose une somme d'argent chez toi et que je te dis plus tard, D'ici un an ou deux ans, tu vas me le rendre. Est-ce que cet argent t'appartient ou non La réponse est négative. Tu te devais simplement de protéger cet argent-là et d'en prendre soin. De la même façon, ton corps ne t'appartient pas, mais il appartient au Seigneur des cieux et de la terre. Il te l'a donné. Tu peux faire avec du sport. Tu peux avec ce corps avoir des rapports intimes avec ton épouse. Alhamdulillah. Tu peux avec ce corps faire toutes les adorations que tu veux. Tu peux te te déplacer à travers la terre et prendre du plaisir à travers le tourisme et dans le fait d'observer les paysages les plus magnifiques. Tu peux faire plein de choses avec ce corps, mais tu n'as pas le droit de le détruire, parce qu'il ne t'appartient pas. La cigarette amène le cancer. La cigarette amène le cancer pour toi-même, mais aussi pour les gens qui t'entourent. Certains d'entre vous, Yai Juan, qui fument, sachez qu'ils vont devoir répondre à des accusations que leur propre corps vont leur faire qu'ils vont devoir peut-être aussi répondre à des accusations, des corps des autres qui étaient autour de vous, que vous avez pollués. Certains même ont pollué leurs enfants avec la cigarette, ont pollué leurs femmes, ont pollué leurs amis. Au-delà même du haram pour toi, c'est même haram par rapport à ce que tu fais aux gens autour de toi. Subhanallah. Est-ce que maintenant, si je te prête une voiture, que cette voiture est la meilleure des voitures qu'on puisse s'imaginer, et que toi, la réponse que tu as à cela, c'est de mettre non pas la bonne essence, mais de mettre une chose qui va encrasser le moteur, que tu arrêtes de prendre soin de cette voiture et qu'arriver à l'échéance où je t'ai prêté, euh, l'échéance de me rendre cette voiture que je t'ai prêtée, au lieu de me la rendre en bon état, tu me la rends toute cassée, toute sale et bonne pour la casse. Penses-tu que je vais être satisfait Allah n'est pas satisfait de ceux qui ne prennent pas soin de ce qu'il leur a donné, wa de ce qu'il leur a prêté, pour être plus précis. Donc, L'éternel débat, la cigarette ce n'est pas haram, mais c'est macro. Que signifie macro Macro, cela signifie que c'est détestable. La cigarette est haram, elle est haram, et elle est haram, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà ne, ne vous tuez pas vous-même, c'est haram. Vous savez quoi Je vais être open-minded. Hein je vais être très gentil et je vais être ouvert d'esprit. Disons que la cigarette n'est pas mon haram. Mais qu'elle est makroha, c'est-à-dire détestable. La cigarette et la chicha, la même chose, exactement la même chose. Disons que la cigarette n'est pas muharram, mais qu'elle est juste makroha. D'accord. Makroha signifie détester auprès d'Allah. Allah azawajal déteste la chose que tu fais. Est-ce que ça, ça ne te fait rien Celui qui t'a donné la vie. Celui qui préserve la santé de ton père, de ta mère, de tes enfants si tu es papa, de ta femme si tu es marié, de ton mari si toi tu es une femme et que tu es marié. Celui qui préserve tout cela déteste cette action-là. Mais ça ne te fait rien de la faire. Une personne qui est pieuse, c'est une personne qui, lorsqu'elle entend le mot muharram, s'en éloigne immédiatement. Mais lorsqu'elle entend aussi le mot makroh, détestable, elle s'en éloigne immédiatement. Car c'est une chose qui déplaît à Allah Azza wa Comment pourrions-nous faire des choses que dès Allah déteste et se sentir honnête avec notre Seigneur Quatrième élément qui est très important, les salons de shisha. Ce sont des endroits où il y a de la musique. Et ce sont des endroits où il y a des hommes et des femmes mélangés. Il n'y a aucun doute là-dessus. La musique est muharrama tout aussi logiquement que la cigarette. Les endroits où il y a de la musique, ce sont des endroits où il y a de l'alcool. Et ce sont des endroits où il se passe, akramakumullah, zina, la fornication. Ou alors des endroits où on rencontre des femmes pour aller faire zina, akramakumullah. Je vais vous donner un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith authentique et qui, je l'espère, mettra un point final dans vos cœurs à la question la musique est-elle autorisée en islam ou non Hormis le fait que, dans l'histoire de l'islam, le seul grand imam, référence pour les musulmans qui ait autorisé la musique, aux instruments accordés avant, soit Ibn Hazm Rahimahullah, 99 de tous les savants, de tous les imams de l'histoire, l'ont rendu Muharram Revenons à ce hadith, le prophète sallallahu alaihi wasallam nous dit :« Il y aura certes, avec certitude, un peuple appartenant à ma communauté, c'est-à-dire des musulmans, qui vont rendre halal, écoutez bien. Écoutez bien dans quoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam noie la musique. Quels sont les éléments avec lesquels il noie la musique. Des gens qui vont rendre autorisés la fornication, Akramakumullah. le fait d'avoir des relations avec une femme en dehors du mariage. Deuxièmement, la soie qui est interdite pour les hommes. Troisièmement, el-khamr, l'alcool. Ces trois choses sont extrêmement graves et sont moharrama Et c'est ma'lum bid darura, le fait que zina soit interdite ainsi que l'alcool. Ma'lum bid darura, connu de toute personne qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième élément qui vient dans ce hadith c'est lequel Wa'l ma'azif. El ma'azif ce sont les instruments à cordes et à vent. Alors mon frère, ma soeur, hubban fillah, par amour pour vous uniquement. Et sachez que celui ou celle qui vient vous renseigner sur ce qui est aimé d'Allah et détesté d'Allah Azawajel, il n'y a pas un meilleur compagnon que celui-ci ou que celle-là parce que c'est une personne qui t'aime. C'est une personne qui veut qu'au jour du jugement, tu rencontres Allah Azawajel avec un minimum de péché ou même, inshaAllah, sans péché. Celui qui t'explique ce qui est haram et ce qui est halal, c'est une personne qui veut pour toi le paradis. Celle qui se tait sur ces choses-là, ce n'est pas ton ami, c'est soit ton ennemi, Sois une personne qui est indifférente à ton sort après la vie. Car n'oublie pas, dans cette vie d'ici-bas, nous avons quoi 70, 80, 90 ans maximum à passer. Mais l'au-delà, c'est l'éternité. Imagine-toi si peut-être le fait de fumer la chicha, Allah Azzawajal va t'enlever des degrés au paradis. Subhanallah Imagine-toi cela. Imagine-toi si peut-être à cause de la cigarette, à cause de la chicha et à cause de la musique, Allah Azza wa va t'empêcher d'accéder à des degrés extrêmement élevés du paradis. Imagine toi cela. Tout ça pour avoir une chose qui détruit ta santé, qui met en exergue, qui développe, qui développe tes passions et qui te met dans une perte de temps totale. Alors mon frère, ma soeur, la cigarette et la musique et la chicha sont muharram pendant le Ramadan et en dehors du Ramadan. Mais vous avez l'occasion de vous entraîner. Vous avez l'occasion de vous entraîner. Vous avez l'occasion aujourd'hui de délaisser pendant toute la journée, pendant 17 heures de siyam, la cigarette, la chicha et la musique. Bien évidemment que vos cœurs y sont attachés. Bien évidemment que vos corps y sont attachés. Mais encore plus évidemment, Allah Azzawajal doit être présent dans vos cœurs et vous devez être attaché à Allah d'une façon bien plus intense et bien plus forte. Et ce mois de Ramadan est l'occasion de délaisser ces choses-là. Et afin de ne jamais y revenir. Incha'Allah ta'ala. Je demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que les paroles qui ont été dites soient des paroles qui rentrent dans vos cœurs, qui rentrent dans nos cœurs et qui aillent directement vers les actions. Incha'Allah ta'ala. Vous vous devez de mettre en application ce que vous avez trouvé comme étant une vérité absolue. Incha'Allah ta'ala. Allahumma wa bihamdik. ash'hadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون